Oh, les bêtes de graphisme! Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Ouais, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Ouais, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. Joël! T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Ah. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, non mais... Cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Oh, les frissons. Oh, les frissons, la musique qui part, les frissons. Bonne nuit, trésor. Oh là là. Les graphismes. Je trouvais déjà ça fou la première fois quand c'était sorti, mais alors là... Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Ah, j'ai cru qu'elle allait se recoucher. En mode, oh non, c'est bon, moi j'en ai marre. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh, tu vois que le jeu a été refait. Pop, 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 pop. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Your note fossile. Happy birthday. Tu n'es pas encore un fossile. Bon anniversaire, cher papa. Voyons, tu n'es jamais là. Tu détestes la musique que j'écoute. Tu méprises carrément les films que je regarde. Et pourtant, bizarrement, tu arrives chaque année à être le meilleur des pères. Comment tu fais? Bon anniversaire, papounet. Bisous, Sarah. C'est trop mignon. Elle est en mode zombie, comment elle marche. Tu vois qu'elle est claquée. Papa? Papa? Meutes se sont fait plier à la pandémie qui frappe tout le pays. Passé? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? Oh! Oh là 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 là! Oh là là, mais c'est horrible hein! Oh, la séquence post-apo! Je peux vite descendre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est son téléphone. Vite, vite, vite. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es? Quel? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Oula. Le chien il gueulait, maintenant il gueule plus.
Sarah, tu vas bien? Oui, ça va. Oui. Est-ce que quelqu'un est venu? Non. Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ok. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Cooper. Il y a un truc qui cloche. Oh, les Cooper. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Ah oh putain. Putain. Jimmy. Papa. Chérie, viens là, viens là. Jimmy. Jimmy. Jimmy, je te préviens. Allez. Allez. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Oh, la crise d'angoisse. Allez. Allez. Où t'étais passé? T'es au courant de ce qui se passe dans le... Ouais, je viens de buter les Cooper, là. On peut dire ça. Putain de merde. T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien, tirons-nous d'ici. C'est vrai que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît? Sors-toi par là. Tu vas me dire ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Je peux me déplacer. Ça va. Bah, ça va pas des masses, hein. Radio? Ouais, bien sûr. Merci. Pas de portable. Pas de radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller? Il disait... l'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 61, c'est la durée. Ils ont dit le nombre de morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée. Tommy. Dans sa maison. Ouais. Oh là là. Oh, la voiture. Nom de Dieu, comment c'est arrivé? Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Ah, oh merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cet enfoiré s'en est tiré. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais? Il disait que c'était des gens de la ville. Tout va bien. Jimmy ne travaillait pas en ville? Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Continue. Ils font du stop, non? Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Hey, continue, Tommy. Oh, vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. C'est un... Les graphismes sont incroyables. C'est incroyable. C'est fou. Oh, ça craint. Il a fallu que tout le monde ait la même putain d'idée. On pourrait faire demi-tour et... Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy! Tommy! Oh putain! Mais qu'est-ce qui vient d'arriver? T'as vu ça? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici. Oh là là. Non, 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 non. C'est horrible. Sors-nous. Je fais de mon mieux. On peut pas rester ici, Tommy. Je peux pas leur foncer dessus. Alors fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez, là. Oh, c'est horrible. Papa? Hey! Hey! Recule, ma puce. Recule. Ok. Oh, my God.
Je suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? Bah, tu m'étonnes. On va devoir courir. Mais... porte-la, Joël, porte-la. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. Oh, le jeu, ça, c'est ouf. Je suis choqué du remake. J'ai peur. Garde les yeux fermés, ma puce. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh la qualité, je suis choquée. Ça c'est un vrai remake hein. On va s'en sortir, c'est au premier. La qualité était déjà ouf la première fois, mais alors là... Oh, bah ça s'est déjà très mal passé pour moi. On va refaire la séquence, je pense, hein. Ici, dans l'allée. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il est mort. On y est presque, mon cœur. Il passe la barrière. Avant. Il trouve une issue. Jeff. Pogne-toi. Prends la nationale. Vas-y, t'as ça. Oncle Tommy, on se retrouve là-bas. Dépêche. Allez, on y va. On est presque. Il se rapproche. Papa. On court. Je l'entends derrière moi. Mais comment on monte ça? Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé! On a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît! C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Oh non. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie. Je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie. Je sais. Sarah! Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué.
Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. C'est dur, hein. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Cette scène-là, j'ai dû y avoir là, il y a 10 ans, cette scène. Et j'avais pleuré la première fois, et là je me suis dit, bah tu la connais, tu vas pas pleurer. C'est trop prenant, le voice acting est incroyable, genre tout est ouf sur le jeu. Non, non, non. Ouais, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Le graphisme, c'est incroyable. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Mais eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. Ok, j'arrive. T'es sérieuse ? Je sais que tous les studios n'ont pas les mêmes budgets, mais... Là, faut bien avouer que c'est un... J'ai été choisi pour travailler hors de la zone. C'est un vrai remake, ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai alors. Oh, waouh. Regardez les petites gouttes qui tombent. Attention. Tout citoyen doit être soumis en permanence d'une identification valide et obéir à tout le personnel de la ville. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Là, je peux déjà commencer à courir. Là, je vais courir. Enfin, trottiner plus... Oula. Est-ce que, Joss, si tu restes là, il va y avoir une scène où il s'arrête? Il est clean. Clean. On a une clé. Non! Je suis pas infecté! Venez là! Il se trompe! Allez! Le scanner se trompe! Pitié! Les yeux devant. Ok.
Allez, tout le monde, il n'y a rien à voir. Veuillez circuler. Appelez le nettoyage. On a fini. Non mais what? Il y a toute une scène et tout. Mais what? On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Oh, c'est incroyable. Regarde, tu les vois sortir, regarde. Je nous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Non mais c'est incroyable. Il se déplace. Lui dans le véhicule, machin. Oh, c'est fou. Toutes les squads. Ouais. On m'a dit qu'il les avait. Bon. Circulez. Laissez-moi passer. Vos papiers. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon. Vous pouvez passer. Le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les civils ont l'obligation d'évacuer les environs immédiatement. Ça aurait été trop beau. Rafistole-toi, ok? Oui, pas de souci, moi je... Un petit bandage. Équipé et R2 pour soigner. Oh, le retour haptique. Tu sens qu'au niveau des gâchettes sur la PlayStation 5, il y a des retours. Et tu sens qu'il faut bien appuyer. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Oh, c'est par stylé. L'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel Est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? Bah nickel. On va rendre visite à Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. C'est des pigeons? Ah oui, il y a des pigeons dedans. C'est incroyable. Marlène qui cherche Robert? Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va? Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infectés. Ça fait plaisir à entendre. T'as mis les détails même sur le Joël, canapé là. Tu peux m'aider à pousser ça? Oui, j'arrive. Genre les détails qu'il y a, c'est fou. Là je suis... Oh, regardez les bouteilles qui tombent. Les livres en haut. La poussière et tout. Oh là là. Faites attention à vous là-bas. Oh, on peut dire ce qu'on veut, hein. Je suis désolé, hein. Ceux qui critiquent The Last of Us, je ne vous comprends pas. Hein. Meilleur jeu de tous les temps. Hein. Que la lumière. Meilleur soit. Jeu. Oh là là, en termes d'ambiance, d'esthétique, de musique, de narration. Il faut faire ce qu'il jette ici. Même la VF, elle est méga propre. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. C'est pas fou. Beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Tellement agréable de jouer un jeu comme ça. Ok le Texan. Fais-moi grimper. Oup. Prêt? Bien, madame. Et moi, tu peux m'aider? Allez. Comment je fais? Ok. Allez. Ok.
Sois prudente. Je le suis toujours, non? C'est une question piège. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Parce que là, je vais être éblouie par l'extérieur. C'est parti. Oh là là. Oh! J'étais pas venu ici depuis un bail. Oh là là. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. Oh purée. Oh là 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 là. Oh ! Ah non, mais moi je suis une gamine hein, face à ça. Moi je suis vraiment une enfant face à tout ça. Oh là 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 là. Regardez ça. T'as envie de boire dedans. Tant pis, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais moi j'y vais. C'est fou. Par contre, j'ai des latences à des moments, mais je sais pas si ça vient pas de... Elle doit être quelque part dans le coin. De mon PC qui a du mal, là. Vu qu'il y a tout qui surchauffe dans tous les sens. Attends, il a dit qu'il cherchait quoi? Ah bah là-bas. Attends, comment je me baisse? Oh là, calme-toi, calme-toi, Joël. Ah, deux docks, ça part en latte, là. Ok, ok. Ah. C'est que je pouvais passer par là. D'accord. Bon bah, du coup, ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est pas par là. Attends, je dois aller où, du coup? En fait, j'ai pas suivi. Ah, il cherche une échelle. Ok. Merci pour l'info. Hé, hey, va regarder par là-bas. Où ça? Par là-bas, c'est où? Là-bas, là. Ici, c'est pas mal, non? Ah, mais elle est là, l'échelle. Je l'ai. Je suis aveugle. Super, apporte-la ici. Ouais, ok, donc c'était pour monter là. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout ira. Je vois des gens qui me disent pourquoi est-ce que tu peux déjà y jouer maintenant alors que le jeu ne sort pas avant le 2. C'est parce qu'en fait PlayStation m'a envoyé le jeu et m'a dit que je pouvais le tourner juste à partir d'aujourd'hui en fait, tout simplement. Il y avait un embargo et pour tous ceux qui ont reçu le jeu de la part de PlayStation, eh ben, on a le droit de le présenter aujourd'hui. Par ici. Faut descendre par là. Ça, c'est une vraie flashlight. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. Attends. Des sports. Oh merde. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Bah, qui dit sport dit potentiellement claqueur, hein, on connaît. Voilà ce qu'on cherchait. Ah. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Super. On est content. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Ça va? Ouais. Attendez, mais il n'y a pas les sous-titres, je vous les avais mis. Attendez, je vous avais mis les sous-titres, non? Oh, je suis désolée. Ah bah excusez-moi, je suis désolée, j'ai oublié. Ce plafond est un vrai gruyère, attention. Par ici. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah. En route. C'est horrible. Droite, droite. T'as entendu? Chut, chut.
Oh là là, comment ils font peur! Oh, comment ils font peur! Là, il y en a deux, hein. C'est pas vrai. Tu veux pas m'aider, toi? Bon, on les a tous eus. Oh. J'espère bien. Elle m'aide absolument pas, c'est terrifiant. Allez, on les a tous eus, j'ai tout eu. Quelle angoisse. Après, j'aurais pu pas... Oh. Après, en soi, vous allez me dire, j'aurais pu passer discrètement aussi. Hein. C'est moi qui ai pris la décision de passer comme ça. Waouh. Ah, je ne m'en lasse pas. Enfin, un peu d'air frais. S'il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Oh là. Hé, hey, déplacement, là. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Hé, hey, ce serait une bonne idée s'ils n'étaient pas tous périmés. C'est magnifique. Bon, j'arrive. C'est vraiment trop beau. Oh, la porte secrète. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon. Wow. La planche est tombée. Ah bah tiens. Je savais pas si je pouvais faire ça ou pas, j'avais trop peur de me tuer. Vas-y, récupère. Je te passe la planche là. Vas-y, passe-la moi. Tiens. Et dire que c'est quand un il peu est lourd. Sorti sur PS3. Je vais pouvoir m'en sortir. Ah ouais. Et dire que quand il est sorti sur PS3, je me disais justement que le jeu était ouf. Quand tu vois des graphismes comme ça, tu dis que ça a bien évolué quand même. Ah non, me dis pas. Ah non, j'ai eu peur. Attends, moi je passe par où dans cette histoire? Et voilà. Ok. Ramène tes fesses, on y va. Alors. Quelle autorité? J'arrive. Je sais juste pas par où passer. Mais j'arrive. C'est peut-être... Peut-être par là. Ah bah oui. J'avais peur de devoir passer ici. Bon bah... Ah oh, c'est bon, ok. On est presque arrivé. Merde. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Incroyable. Ferme-la. Bah là, ce remake-là, The Last of Us Remake, là, c'est vraiment une refonte totale du jeu. C'est la même histoire et tout, mais en fait, là, ils ont utilisé leur moteur du 2. Ramasse ces munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Tout l'esthétique a été refait et tout. Ok. Hé, petit. Regarde si la voie est libre.
Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? Ok, pas de soucis. Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Allez. Toc, toc. Hé, hey, hey, bon, test. Hé, hey, ma belle, comment ça va aujourd'hui? Paris, t'as de la marchandise? Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok, je peux le faire. Je te prends pas la tête avec ça. J'entends un chien. Oh! Désolé, mais tous les chiens sont déjà réservés. Je les ai vendus en moins d'une heure. Reviens dans une semaine. Oh, ça me fait mal au cœur. Si tu touches, tu payes. Tess, ça faisait un bail. Tu nous rends plus visite. Okay. Où est-ce que tu crois aller? Allez, reste chez toi. Désolé, Tess, j'avais pas vu de toi. Allez-y. C'est qui? Une vieille prise de tête. Cherche un con, t'imagines? Hop. Faut aller là? Ah. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Et B. Attendez. Tic. Ce jeu-là, c'est très bizarre, mais je sais pas si vous êtes pareil, mais quand je joue à ce type de jeu, j'ai beaucoup de mal à beaucoup parler, en fait. Parce que je suis tellement à fond dans le scénario que je vis le jeu. Vraiment. C'est parti. Je sais pas si vous êtes pareil. Hein. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé, hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Et merde. Planquez-vous! Oh merde! T'es prêt? Ouais. Ah oui. Je vais vous faire la peau. Je te couvre. Élimine-les. Laura, il va falloir apprendre un peu mieux viser quand même, parce que là... Ah bah vas-y, bute-le. Ah, ça va très bien. Hé mec, fais pas de conneries, tu veux bien? C'est bon, au bout d'un moment, merde. Je suis gentil une fois, deux fois, mais là... ça commence à suffire maintenant, cette histoire. Bien joué, le Texan. Toi aussi. Comment on recharge déjà? Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. Allons y mettre un terme. Merde, on ne peut pas passer par là. Ah! Hé, hey, c'est monter. R2. Bah, en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas de balles, hein, tout simplement. Ok, bien. Les munitions reviennent en arrière. Il y avait des munitions derrière?
pour ceux qui posent la question, le jeu, je peux tout simplement y jouer parce que PlayStation me l'a envoyé et m'a donné l'autorisation de le streamer aujourd'hui. Non, il n'y a pas de munitions. Je vois pas de mine, vous en voyez ? Je joue en normal. Ah, si, pardon. Autant pour moi. Très bien. Autant pour moi, j'avais pas vu. Remets-toi debout. Oui, bon, j'arrive. Je vais partir chercher des mines. Ok. Oh les rats. T'es mal à la taille du rat. Oh la taille du truc. Par ici, Joël. Oh bah t'inquiète, hein, j'avais déjà vu. Oh la zone, ça sent la zone de bagarre, ça. Encore des gars de Robert. Je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent ? Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper. Vas-y, on prend un sandwich, sandwich. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Précis, Texas. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Très bien. Avance, avance. Mais qu'est-ce que je fais là ? Avance, avance. Je peux le déplacer et tout. Hein. Ok, mais je vais pas faire ça là. Je vais... Tutoriel débloqué. J'ai l'impression qu'il y a personne d'autre. Il y a une touche pour sprinter, non ? Je me souviens plus. J'arrive, j'arrive. Ok, vas-y, vas-y. Au fait, je suis passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils, avec des menottes au poignet. Prends celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. Vas-y, je prends lui. Ouais. Bah, elle se fout ma gueule, elle. Oh. Non mais Tess, elle sert à rien du tout, hein. C'est moi qui fais tout le travail. Sans déconner. Soigne ta blessure. Merci. Ouais, bah... Ah oui, R1, merci. C'est le chat qui me redonne les touches, merci beaucoup. Allez, on fouille le coin. T'es vraiment une relou, toi. Tu le sais, ça ? Non mais, elle, franchement, elle ne sert à rien. C'est bien, elle, hein. C'est bien, ça, si jamais. Je regarde qu'il n'y ait pas de truc planqué ou quoi, hein. Oh là. Hey, on a consolidé les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du couvre-feu. Et Robert, alors ? Il se planque chez qui cette nuit ? Il est trop parano pour rester ici. Qu'est-ce que... Hey, y a eu un bruit. Allez, allons voir ça. Le problème, c'est que là où j'ai fait le bruit, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Je vois rien du tout. Bon, on peut continuer alors. Faudrait une autre bouteille. Oh! Attends, s'il y en a un qui rentre, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Vas-y, mon petit. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, petit, petit, petit. Vas-y, avance. Allez! Il y a Martin qui monte. Le problème, c'est qu'il faut qu'il avance. Ah. Ouais, d'accord, hein, j'ai plus de briques de conneries et tout, là. Il bouge pas. Bon, tant pis. Hein. J'aurais dû me planquer, mais bon, c'est pas grave.
Ok. On va monter, hein. Oh. Et merde. Vraiment, Tess, aucune utilité. Je sais même pas ce qu'elle fait là. Mais Tess ? Mais. Couvre-moi. Mais putain, mais elle va pas m'aider cette conne, hein ? Non mais. Mais c'est pas possible. Aide zéro. Mais aide-moi ! Couvre-moi ! Mais la chier. Bon, je vous le dis, on est dans la merde. Hein. Là, je vais crever. Hein. Couvre-moi ! Je suis dans une merde noire, là. Accroupi. Je suis dans la merde. Franchement, Tess, grande aide. Ah, franchement, Tess, je me suis dit, je vais compter sur elle. Pendant qu'il y en a un qui a pâté, c'est pas grave. Que dalle. Pire meuf de tous les temps. Il est par là-bas ? Il est pas là, vieux. Bon, là, je pense que je vais sûrement crever. Ah, mais merde! Mais où est-ce que t'es? Et abusé comment elle sert à rien? C'est chaud là. Un niveau pareil. Ah mais il va venir de là, il va me voir. Je tente. On aurait dû emmener d'autres gardes. Mais elle a... Ils nous auraient ralenti. Elle est incroyable. Ouais, t'as raison. Viens, les quais sont par là. Non mais... On y va. Elle est dans l'abus, elle. L'abus total. Hein. C'est moi qui ai tout fait. Elle est en mode, vas-y, je pensais que je pourrais avoir une aide. Je me suis dit, c'est pas grave, s'il y en a un qui arrive vers moi, j'aurai une aide. Que nenni. Que nenni. Appuyez sur triangle pour saisir en silence un ennemi non alerté et sur triangle pour une élimination silencieuse au surin. Ok. Surin. Permet quoi de tuer. J'ai pas le temps. Permet de tuer les ennemis depuis une posture furtive. Usage unique. Ok, bon bah pas utiliser. Note à moi-même, pas trop utiliser le surin quoi. Allez, j'arrive. Faudrait qu'elle me fuse ses armes à la limite, si elle est d'accord. J'aurais me poser une question. Ah ouais, je peux sauvegarder la partie. C'est une sauvegarde auto ou ma... Ah non, sauvegarde auto. Qui date de 17h58, non, ça va. Ça va. Ah, il fallait maintenir, autant pour moi.
Oh non. Voilà notre homme. Oh le monde. Il va falloir m'aider là, Tess. Hein. Ce sale fils de pute. Il va vraiment falloir m'aider. Hein. Allez, finissons-en. Oh, oh là là. Il faut qu'on réfléchisse. Ils sont nombreux. On n'a plus d'arrivage. Ouais, bah on a perdu nos contacts au nord. Combat ou furtivité? Franchement, j'aimerais trop la furtivité là, quand tu vois la merde qu'il y a. Quelqu'un pour nous fournir les trucs. Du coup, on doit prendre ces boulots pourris de garde du corps. Cet enfoiré de Robert ferait bien de tenir parole. Et ça t'avancera à quoi, hein? Je te le dis, cette zone est foutue. Merci beaucoup, Chavos. Mieux de trouver un moyen. Et merde. Là, d'autres passeurs. Il va se passer. Heureusement que t'es là. Ouais, forcément, vu que tu fous rien, ça c'est sûr, oui. Heureusement que je suis là. Merci beaucoup pour ton abonnement. 6e mois d'abonnement. Merci, Chavos. Elle fait rien, l'autre. Elle me regarde. Il y a combien d'autres personnes? Deux autres là, non? Il y en a une ici. Et merde. Il faudrait que lui il parte. Et merde. Allez, reste cool, mon pote. Cache-toi, cache-toi. Et merde. Ok. Il est par là. Il a filé. Hey, déployez-vous. Tu l'as vu? Il est pas ici. Putain, il faudrait qu'il rentre dans le conteneur et que l'autre tourne le dos. Où est-ce que tu... Comme ça, je rentre dans le conteneur et... Il est pas ici. Et mets ton petit kit de soin, moi. Oh l'angoisse. Oh là là. Ok, c'est bon. Ça va mieux. Bon, par contre, il y en a peut-être 2-3 qui ont des petits trucs à me filer là. Non? Là, il y a une petite bouteille. Je sais pas si je peux conserver la bouteille dans mon inventaire. Si je fais comme ça. Ah ouais, donc je l'ai quand même, cool. Je vais m'équiper de mon flingue. Je vais fouiller un peu. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps à fouiller. C'est juste pour être sûr de pas avoir oublié des kits ou je ne sais quoi. Ce serait dommage sinon. Ah bah tiens, la brique. Tiens, ça je vais le prendre. On fera toujours un truc en plus. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ok. Nous sommes à l'air ok. Bon, on y va. Oh, 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 un surin. Allez, hop. Quoique, il y a des petits trucs cachés. Hein. C'est pour ça, ça serait dommage de partir sans prendre 2-3 2-3 ressources. Hein. Allez. Barrons-nous d'ici.
Les bureaux, là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Bon, Robert, on va discuter, hein. On y va, Robert, hein, c'est maintenant. Robert ? Roberto ? Où t'es ? Reculez, reculez, bordel ! Ouais, bah, il m'emmerde. On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Isvar ! Il a balancé Robert l'arme super loin. Joël, par ici ! Il s'est réfugié ici. Oh bah tiens, allez hop, c'est bon. Tu nous emmerdes, Robert. Ah merde. Ah ça va. Joël. Ah, ça c'est vraiment pas de chance, hein. Salut, Robert. Le fameux... Tess, Joël... Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Allez hop la bastos! Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, plus, j'ai tout vendu. Je vais tout vous expliquer, je dois... Ah merde! Ah, stop! 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 Merde! Arrête de gigoter. Tu disais? Je les ai vendus. Merci beaucoup, Camille, pour ton Excuse-moi. Prime, Camille. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Enfoiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute... Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Ah! Bonsoir! Alors, voilà. La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Ah, bah il est là. Il me le fallait vivant. Les armes. Un peu compliqué maintenant. Elle n'était pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Oh, c'est parti. On doit partir d'ici, maintenant. C'est mon moment. Si vous êtes partant, il faut qu'on bouge. Je connais un autre chemin. Venez. J'ai des latences, hein, mais je pense que ça provient du PC, la question. Je monte. Oh, vas-y, ok.
sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Ok, je te suis. Pourquoi maintenant? On se fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Oh, bah dis donc. Moi, je me sers, hein. Oh là là. Je sais pas si ça aide, mais dans le doute. Joël, donne-moi un coup de main. D'accord. File un petit coup de patte. Hey, tu tiens le coup? Ça ira. Ok. Elle m'a l'air de se planquer. Stop. Des soldats. C'est la sortie. Ouais, bah alors si tu m'aides autant que Tess, on n'est pas dans la merde. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Ouais, bah on va y arriver. On va y arriver, c'est bon, on est tranquille. Hein. Oh, j'enlève les petites lunettes. Vous avez choisi le mauvais jour pour nous faire chier. Allez vous faire foutre. Ah ouais, ils sont pas deux ou trois, ça c'est problématique. Bien, pas de bruit. Ah! Elle est ici! Par contre, la visée à la manette, c'est pas mal. Hein. Oh, bon. Je pense qu'il fallait être discret. Et ça a foiré. Le père pas. Non mais faites un effort là, par contre, les deux là. Elles vont les buter ou pas? Mais qu'est-ce qu'elles foutent? Mais qu'est-ce que vous foutez? Vas-y, vas-y, vas-y. Il est là! Tu m'as eu. Si tu okay. fais du mal, je te bute. Butez-le! Ah bah voilà. C'est fini? T'as vu leur réaction, j'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un. Ah d'accord. Il y a encore quelqu'un. Elles sont là pour être là, c'est exactement ça. Ok, soyez prudents. Moi je prends tout. Bon bah c'est encore moi qui vais tout faire, j'ai compris. Toujours la même connerie à chaque fois. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne par contre. Hein. Ok. J'ai rien dit. Qui est là? L'attaque est claire. Ok, bon bah c'est bon. On y va.
Putain, ils ont eu Warren. Ah! Et du coup, c'est mauvais signe, ça? Ça nous met dans la merde pour la suite de l'histoire ou pas? On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Problématique, ça. On y va. J'ai vraiment tout fait toute seule. À aucun moment, les meufs, là, vous m'avez aidé. Normalement, on est censé se tenir la patte. À aucun moment, vous m'avez aidé. Vous m'avez dit démerde-toi. On n'est plus très loin. C'est ça ? Allez, entrez. Où est-ce qu'on va, Marlène ? Par ici. On n'est plus très loin. Elle est pas bien, Marlène, quand même. Ça va ? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Elle s'est fait mordre ou elle s'est pris une balle ? On est presque arrivé. Attention, le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Oh bah nickel, bonne année. Bonne ambiance tout le monde. C'est quoi la marchandise ? Je vous montrerai. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. Tu veux que je fasse ? Joël, donne-moi un coup de main. Je le fais, je le fais. C'est avec plaisir. Hein. Toujours là pour servir, moi, vous savez. Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle ! Lâche-la. Ellie ! Oh là là ! Allez. Non, tu les recrutes pas un peu jeune ? C'est pas une luciole. Oh, merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ça sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Et... c'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une blague. La merde, je vais pas avec lui. Calme-toi, pèse tes propos, Ellie. Je les connais d'où. J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène... Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Elle est contente, Elila. Je sens qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Oh, j'ai entendu les tirs, mais... c'était quoi ? Les lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Est-ce qu'on peut passer par là ? C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Ellie, meilleur personnage. Toujours blasé. Attention. Toute personne cachant ou étant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Par ici.
me suis ? Mais oui. Bah, dépêche-toi. Se faire griller à force, hein. Attention. Toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité suspecte immédiatement. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Bah tiens, regarde, hop là, t'as donne-moi vu ça ? Une minute. Est-ce que c'est là que je dois mettre ? Pas du tout. C'est pas du tout là. Attends, attends, j'arrive, Ellie. Où est-ce que je dois mettre ça ? Ah mais c'est ici, ok. C'est parti. Me donne pas un coup de main, surtout fais comme tout le monde. Hein. Après, pour ta défense, t'es une enfant, donc bon, je vais pas être chiante avec ça. C'est parti. Hop là. Allez, viens. Attends, elle s'est montée toute seule ? Elle a pas besoin d'un coup de main ? Eh B ? Ah mais attends, mais elle est très très forte. Ce tunnel, il fait du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans ? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, donc ah. Ça n'a pas trop rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles. Sagement à l'école, tu sais. Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien. C'est ici. Je suis en train de capter un truc. Ma caméra n'a plus de batterie, si jamais. Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. C'est la montre que sa fille lui avait offert ? T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Est tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Let's go. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même. Elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Il y a des cachettes partout ici, hein. C'est fou, il y a vraiment des cachettes partout. Incroyable. Je vois juste que j'ai un souci, les amis, avec ma caméra.
Je pense que je l'ai mal branché, du coup elle ne charge pas. Et là elle me signale qu'elle a plus de batterie. Et c'est la seule batterie que j'ai, l'autre est out aussi. Et donc dès que la caméra coupera, j'arrêterai le live. Parce que là je pense que c'est qu'une question de minutes avant que ça cut. J'arrêterai le live dès que ça va couper. Du coup, et comme ça me laissera le temps de manger et reprendre ce soir. Comme ça j'ai le temps de recharger l'appareil. Oh. Et paf. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? La fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, comme ça. Ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit. Et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Une carte avec des itinéraires de patrouille hors de la zone, écriture manuscrite autour du périmètre. Patrouille ouest, patrouille ok. Et est-ce que je peux retourner le papier? Ok, bon, bah je vais ranger ça. Attends, je vais allumer ma... Ah, voilà. Bougez pas, il y a une patrouille à gauche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Oh, c'est beau! Avec la pluie et tout, c'est trop beau! Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. Oh, mais le bruit, même quand t'es à l'intérieur. C'est ouf. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Scanlez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée. Merde. Oh, Ellie, elle est vif, hein. Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? C'est ouf, hein. Merde. T'as des problèmes, là. Cours. Cours! Debout. Allez, cours! Putain! J'ai 2 soldats morts. Je répète. Suivez-moi. Vite. Okay.